Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo commentée de Battlefield Heroes. Et ouais, super accent anglais, je sais. Déjà, je vais la commenter en live, c'est-à-dire qu'en même temps que je joue, je commente. C'est donc un peu plus dur, il risque d'y avoir de jolis blancs où je vais dire n'importe quoi. Mais bon, ça peut être sympa. Alors, ça commence déjà, je livre mon adversaire. Mon petit camarade. Voilà, j'ai livré mon camarade aux ennemis. Et quant à moi, j'ai fait un joli petit kill. Alors, pour commencer, parlons de mon équipement. J'ai un sniper qui est que je me souviens, M10. Winter Camo. C'est donc un sniper qui mitraille. Qui mitraille assez vite. Mais. Oula. Raté, garçon. Voilà, qui tire assez vite et qui est plutôt précis, qui est vraiment prévu pour tirer un piercing shot à 5 sur 5 pardon, et en visant bien la tête. Voilà, par contre j'ai pas de couteau, ça c'est bête. Ensuite, en deuxième arme, j'ai le... je sais pas comment il s'appelle lui par contre, c'est la toute dernier pistolet qui est sorti sur le jeu, celui donc de Jack Sparrow, qui ressemble en même temps un peu à un fusil à pompe. Voilà, hop là, qui fait très très mal. Voilà. Et troisième arme, comme vous le voyez actuellement dans les explosifs, donc j'ai le lance-patate. Ensuite, mon skin si on peut dire ça comme ça. Ma tenue, c'est une tenue de zombie, donc voilà, avec la tête à la ceinture, que je trouve déjà très très sympa. Et ensuite, que j'aime bien parce qu'elle m'évite les headshots, ce qui est très pratique. Donc là, ça fait un gros moment que j'ai pas joué à Battlefield, alors j'ai un peu perdu la main. Vous m'en voudrez donc peut-être pas si je suis pas au top niveau. Alors testons, voilà, le pistolet de loin, c'est quand même pas l'idéal. Je me fais tirer dessus. Et voilà comment pigeonner un national. Ah oui, en parlant de national d'ailleurs, mon héros, bon, vous l'avez vu, c'est un royal. Je préfère largement les royaux, ne serait-ce que pour les avions qui sont bien plus classe. J'ai bien voulu un kill moi, qui sont bien plus classe et plus puissants. Je sais pas, je pense que c'est les mêmes, mais bien plus classe. Ouais. Alors vous voyez que le snipe, ah mince, le snipe n'est pas très puissant. Mais tirer dans la tête, il est quand même assez pratique, vu qu'on peut enchaîner les balles très rapidement. Donc une fois de plus, je m'excuse pour mes mauvais, mauvais scores, ouais. Je fais pas des super scores, mais ça fait un bon moment que j'y ai pas joué. Et avant, pour vous donner une idée, par exemple, mon record c'est 21-0. Voilà, je sais plus trop viser d'ailleurs. Il m'a repéré. Ah oui, en plus, pour parler de ce pistolet, en plus il autorise les headshots, ce qui est des plus sympathiques. Ah, au moment où j'allais me planquer, je me suis fait abattre, c'est bête. Donc pour les vidéos de Battlefield Heroes, je vous proposerai essentiellement des vidéos de commando, parce que c'est avec ça que j'ai ma meilleure classe. Après, je vous proposerai également quelques vidéo en soldier, parce que c'est ma deuxième meilleure, et peut-être une ou deux en gunner, mais je suis pas sûr parce que j'ai vraiment rien du tout comme équipement. Hop là, et voilà. Donc la partie va bientôt se finir, et ma vidéo aussi. C'était vraiment juste pour faire un petit extrait pour voir si ça vous plaît. Ah, voilà, j'ai avisé qu'il revient un petit peu. Dommage. 6-5. Et voilà, fin de la partie. Donc sur ce, je pense que je vais mettre à cette vidéo qui sera été express. Mais bon, c'est toujours juste un petit extrait, un petit avant-goût. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo de Battlefield Heroes, je pense d'ici la semaine prochaine. Je pense pas en faire beaucoup. Seulement quand j'en ferai, je ferai deux parties à la suite, puisque je viens de me rendre compte qu'une c'est beaucoup trop court. Bon, ben merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. À bientôt. Allez, à plus.